les profs, je dirais. Ils sont très, très variés, donc on travaille vraiment sur plusieurs choses. Pas de la même façon, c'est-à-dire chacun a son approche du théâtre ou de la manière de jouer, donc c'est ça qui est vraiment génial, je trouve. Pas prétentieux, pas prise de tête. Voilà, avec un rapport qui expliquait un rapport au théâtre que j'ai trouvé super intéressant. Et on ne parlait pas simplement de faire un comédien pour le faire rentrer dans un moule. Et je sais pas, je voulais tenter l'aventure avec une nouvelle école et un truc beaucoup plus jeune et pas un truc qui est déjà installé en fait dans un truc conventionnel qui a un nom et qui se base sur le nom plutôt que sur le travail qu'on pourrait effectuer. La diversité des professeurs, qui est super agréable, la qualité de leurs cours, mais vraiment la diversité des professeurs et mes collègues. La diversité des cours, que je trouve très intéressant parce que ça nous permet de toucher à tout. Cette entraide qu'il y a, qu'il y avait peut-être pas un peu au début de l'année, mais là, pour partir du deuxième trimestre, on a vraiment commencé à tous s'entraider entre la première et la deuxième année. Il n'y avait pas de différence de niveau, de classe, de prof, de compétences. C'était vraiment, chaque personne avait des qualités dans un domaine et tout le monde s'entraide pour que ce soit des scènes, pour le spectacle de fin d'année, pour les projets extérieurs à l'école. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Le système de concours et de choix d'élèves sur un one-shot a fini par me gonfler un petit peu. Et j'aimais bien le format de l'école où on était un peu nombreux par promo et avec des profs compétents et où vraiment en fait les gens sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Parce que ici, il y a eu dès le début quand j'ai découvert cette école, il y avait vraiment cet esprit dès le début de troupe, de compagnie, un esprit de groupe. Et il n'y avait pas de niveau requis obligatoire dès le début. Mais il y a une progression qui est continue tous ensemble. Et c'est une très récente école. Ça, c'est ce que j'ai plus compris dans l'année au fur et à mesure. C'est une école qui est très récente, qui se forme encore eux-mêmes, qui se crée. Et on crée aussi, on participe à la création de cette école pleinement. Et c'est vraiment un choix parce qu'on évolue ensemble. De très très nombreux professeurs différents avec plein de stages au sein de l'année de cours parce qu'on est très peu nombreux en classe, qu'on peut passer une heure sur le plateau tous les jours, donc c'est idéal. Je suis plutôt Oscar. Roberto Benigni. Je vais dire Astier, je vais dire Alexandre Astier. Star Wars. Classique. Le Magnifique. Roméo. Je vais quand même dire Juliette parce que Roméo, on dira ce qu'on veut, mais c'est quand même un connard. J'aime beaucoup les Schtroumpfs. J'adore les mangas. Homer. Molière. Végétarienne. Tchekhov. L'Odyssée. Shakespeare. Tragicomédie. Tragédie. Million de Serre. A Burger King. Blade Runner. Les Valseuses. Sur scène. Ne pas attendre que les projets se créent pour eux, qu'ils créent leurs propres projets. On apprend à travailler avec plein de personnes différentes. Et à composer avec plein de personnes différentes, et ça c'est utile. Venez que si vous avez réellement envie de travailler. Faites ce que vous voulez. Il faut pas avoir peur, qu'il faut se lancer. Faites-le si vous en avez vraiment envie. Des émotions. Travail. Cool. La vie. Amour, humour, partage. Une passion.